C'est Man Mamoudou Ndiaye, je suis le représentant aux affaires extérieures du Technoréseau. Nous sommes en partenariat avec Delta Electronics Germanie. Nous sommes fabricants. Nous sommes liés à l'eau courant, plus particulièrement nous avons des centrales électriques hybrides qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qui ont besoin de combustible. Pour nous, nous avons besoin de pétrole, de gaz. Et nous avons besoin d'une solution pour l'environnement aussi, pour absorber aussi ce que vous savez, il y a un gap qui manque dans nos productions d'énergie dans le pays et dans l'Afrique. Absolument, parce que il y a une technologie qui peut installer une zone où il y a des montagnes, une zone où c'est inaccessible, ou où il y a des forêts et tout ça, on peut l'installer. Et aussi, tu sais que ce qui est le plus important, c'est le combustible que tu sais qu'il faut prendre de l'eau qui vient de l'eau. C'est ce que tu as besoin. Et aussi, tu as une autonomie, 24 heures sur 24. Tu sais que aussi la production, quand je produis, si tu déparais 20 MW, 300 MW, comme aussi tu peux commencer 5 MW. Mais la production, quand tu sais que tu as une cible, c'est 200 kW. C'est ce que je veux dire, c'est que les gens sont vraiment isolés et pour résoudre les difficultés. Vous avez participé au congrès de la 20e congrès de l'ASEA. Est-ce que vous avez participé au congrès de l'ASEA? D'abord, permettre nous de savoir notre bière, les opportunités que nous avons, nous aussi de savoir les problèmes pour nous avoir des solutions. Je me dis que ce que vous savez, c'est que les Africains ont des gens. Vraiment, la population est de l'autre côté. Parce que nous savons que si nous dirigeons, nous sommes tous les gens qui ont des gens. Nous savons que nous savons que nous avons des gens qui ont des gens. Nous avons des participations dans le transfert de technologie. Nous savons que nous avons des gens qui ont des gens. Mon frère mon ami qui couille yombo aussi, mais quand même une population souffrance beaucoup, tu n'y mènes que des neuf jours. Jere Jeff. Salam. Man Maï Djibril Tall, directeur général de Technoréseau Sénégal. Bon, Technoréseau Sénégal existe depuis 14 ans en tant que privé après une expérience de 32 ans à la Sénélec. Bon, donc ça me fait une expertise de 46 ans environ que je suis dans l'énergie. Comment votre structure peut participer à la réduction des émissions de CO2 dans la transition de la production de l'énergie? Ouais, effectivement, notre projet nous permet de l'eau et des flotteurs qui descendent au fond du puits, et arrivés, les flotteurs arrivés au fond du puits sont gonflés d'air, et ces mêmes flotteurs vont chercher la surface pour un peu faire échapper l'air qu'il y avait dedans. Alors c'est le système, ce principe d'immersion et de répulsion qui nous permet de produire une force mécanique qui entraîne le retour d'un moteur asynchrone aux bornes duquel nous recueillons une tension élevé à une puissance industrielle. Donc c'est ce qui fait que ces centrales-là nous permettent d'être utilisées partout. C'est des centrales hybrides et qui réduisent et qui même éliminent les difficultés de transport et d'approvisionnement de gazoil, parce que chez nous, nous n'avons pas besoin de gazoil ou de quoi que ce soit pour faire tourner nos centrales. Donc une fois que la centrale est construite quelque part, elle devient indépendante. Alors vraiment, c'est des centrales qui sont avec des avantages multiples pour les pays africains et particulièrement pour notre pays, le Sénégal. Comment pouvez-vous réussir à atteindre dans un pays qui vient de découvrir le gaz? Bon, ben, je pense bien que nous, avec l'appui des autorités du pays, qui certainement, au sud de cette technologie-là, prendra la bonne décision, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser cette technologie et d'utiliser le gaz et le pétrole ailleurs pour d'autres utilisations. Ça veut dire, bon, nous pouvons utiliser le pétrole chez nous actuellement aujourd'hui, raffiner le pétrole pour les véhicules,
véhicules, le gaz pour les ménages, et utiliser cette technologie-là pour l'alimentation de nos industries et des populations. Vous avez participé au congrès, au 20e congrès du 14 jusqu'au 20. Pourquoi pouvez-vous y aller du bilan? Bon, ben c'est des activités qui ont été, que je juge très 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 positives, parce que bon, en fait, ça nous a permis à nous tous Africains de l'Ouest surtout de nous connecter et de pouvoir échanger nos expertises et nos connaissances pour pouvoir faire le développement de notre continent. Je vous en prie. Je disais c'est simplement que nous sommes en collaboration avec notre partenaire allemand, qui est le fabricant de la technologie, de tous les éléments de la technologie. Il vient d'Allemagne uniquement pour se présenter le projet. Donc nous travaillons en collaboration avec eux. C'est Delta Electronics Germany qui, depuis 4 à 5 ans, nous travaillons sur les projets et ça avance à grands pas. My name is Alas Delta Germany. This is Technos aus Senegal and Senelect marks the first KPP worldwide. All people looked demnächst auf Afrika, auf Senegal, auf Technos, auf Delta und auf Senelect. It's very, very big chance for Africa in green energy. Okay, thank you.